Les gars, aujourd'hui j'ai reçu un colis. Alors oui, je suis désolé, je l'ai ouvert, je me suis spoil. Parce que je pensais pas que c'était ce que c'est en fait ce que c'est. Oula, Bruno, l'élocution. Bref, c'est un colis de la part de YouTube. J'avais déjà vu quelques youtubeurs qui l'ont reçu et je me disais, mais non, mais oh, c'est trop bien, c'est trop stylé. Et moi aussi je veux le même et j'étais jaloux. Attends. Oh, calme-toi, j'aimerais pas vous montrer tout de suite. Par exemple, Badzer en avait fait une story, j'étais là genre, mais ouah, c'est beaucoup trop stylé, je veux le même, je suis jaloux. Ça m'a fait exactement la même chose au moment où il a reçu le néon YouTube Short et deux jours après, en fait, je l'ai reçu. Et du coup je me disais, mais c'est parce que c'est des gros youtubeurs et moi j'ai pas la chance d'avoir ce genre de cadeau. Et bah là, faut croire que si, je reçois le bien, c'est beaucoup trop stylé. Alors clairement, on n'est pas à la même enseigne sur tous les réseaux sociaux, hein. YouTube, comment il te régale en tant que créateur. Si vraiment les autres réseaux sociaux, ça peut vous donner des idées, s'il vous plaît, hein. TikTok, Instagram, Dailymotion peut-être. Non mais démas-moi ça, cette boîte. Oh, franchement déjà, en tant que designer, je la trouve beaucoup trop stylée. Regarde-moi ça, déjà, il y a des petits endroits, ça brille et tout. Franchement, le design, il y a un truc de ouf. Là, c'est marqué thank, là, c'est marqué thank, là, c'est marqué thank you, et là, c'est marqué YouTube. Et puis regarde, t'as même le petit ruban. J'ai peur que ça tombe si je l'ouvre comme ça, debout. Rien que la boîte, les gars. Je sais déjà ce que c'est. Mais je l'ai pas vu en vrai, quoi. Le vois en vrai avec vous. Attends, par contre, comment ça s'ouvre? Comment ça sort? Comment? Il aurait fallu un mode d'emploi pour pouvoir ouvrir la boîte, quoi. C'est quoi ce délire? Non, vraiment, je suis bloqué. Là. Bon, bah voilà, je vais le laisser comme ça sur mon étagère. Non, je déconne. Ça serait quand même bien de pouvoir l'ouvrir. Ah, ok, il y a un truc, je pensais. Oh! Ok, regarde. Regardez-moi ça. Il a même une ceinture de sécurité, quoi. La vache. Franchement, les gars, ils ont fait fort. Le prestige du packaging, frère, le packaging, il coûte presque plus cher que l'objet qu'il y a à l'intérieur, quoi. Non, mais t'aimas ça. À chaque fois, c'est du carton qui est... Putain, le carton, il est plus épais que mon avenir. Et là... Oh la vache. Alors déjà, moi, je suis ultra fan des beer bricks. Donc, recevoir un beer brick, je suis déjà très content. Recevoir un beer brick de la part de YouTube, mais vous imaginez pas à quel point vous me rendez heureux. Il est content. Et regarde, en plus, il est articulé. Il vous fait coucou. Hey, c'est Lotus, les amis. Non mais wow. Alors déjà, franchement, ultra stylé. En transparent comme ça, franchement, grosse dinguerie. Oh, mais putain, waouh! C'est marqué mon prénom! C'est marqué Bruno depuis 2016, parce que ouais, j'ai rejoint YouTube en 2016, les gars! Waouh! Enfin, du moins, cette chaîne-là que vous regardez, Bruno Graffeur, qui s'appelait pas Bruno Graffeur au début, hein, les vrais savent, date de 2016. Mais waouh! Attends, est-ce qu'il y a d'autres dingueries dessus, quand même? Bah, il y a de l'électronique à l'intérieur, donc il y a moyen que... Ah oui, il se recharge par la petite patte, ici. Là, il y a des petites grilles, donc à mon avis, c'est une enceinte. Oh là là, la grosse dinguerie. Ah, je sais pas si je vais m'en servir comme enceinte, mais en tout cas, déjà... Oh, la tête, elle tourne aussi, regarde ça! Vous vous rendez pas compte, hein. Mais vraiment, genre, fabriquer... Il est où, d'ailleurs? Bah, mon trophée, il est où? Ah, il est là. Fabriquer un trophée comme ça du million, certes, c'est pour te récompenser du million, c'est un truc qui est symbolique de fou malade, mais fabriquer un trophée comme ça, je sais pas, je dirais, ça coûte 200-300 euros, peut-être, même moins cher à fabriquer. Mais alors, fabriquer un beer brick comme ça, déjà, je sais pas si vous connaissez la marque beer brick, mais il existe, qui est... Je sais pas quoi dire, je suis vraiment trop content. Merci beaucoup, YouTube, pour m'offrir des trucs comme ça. Attendez, parce que c'est pas fini. Maintenant, il y a la boîte, parce que la boîte, c'est pas que juste, je vois des chiffres marqués dessus, donc déjà, oh, c'était avant le million qu'ils l'ont fait. Parce que regardez, oh la vache. Même la boîte, elle est estampillée avec moi, en fait, regarde. Je suis comme un gosse. Regarde ça. Et là, c'est marqué toutes les stats. Du coup, Bruno, nombre d'abonnés 970 000. Donc, ça veut dire qu'ils ont prévu le truc genre, y'a part l'époque, les fous, quoi. Et maintenant, et vous êtes 60 000 de plus, les potes, hein. Alors, et t'étais là avant, là? T'étais là avant ça, là? Hein? Alors, qui était là avant, là? Hein? Je pète un câble. Et là, du coup, ça te met toutes les stats que t'as fait en 2023. Donc, je vous lis. 176 millions de vues, 9,7 millions de j'aime, 1,9 millions d'heures de visionnage en 2023. Ça rigole plus, hein? Ça rigole plus, hein, on est là. Ouh, regarde, peu de... Je suis complètement fou. Soutien d'un fan. Oh, c'est trop bien, ils ont mis le commentaire d'un fan. Bon, du coup, si quelqu'un se reconnaît, coucou, je voulais juste dire que je t'adore et tes vidéos sont juste incroyables. Oh. Ça fait trop plaisir. Et j'espère ils ont sélectionné les commentaires manuellement, hein, parce que des commentaires négatifs du style gros PD, le vernis à ongles c'est pour les femmes, j'en ai eu plein, hein, j'en ai eu plein aussi, hein, voilà. Mais bon, franchement, oh les gars, grosse dinguerie. Et donc là, vous voyez, là, il y a l'espèce de petite marque des pieds. C'est pour, du coup, mettre le beer brick. Alors attendez, je vais vous le montrer, je vais le mettre sur l'étagère, on va se mettre bien. Ça serait quand même bête qu'on ne teste pas le fait qu'il fasse de la musique. Parce que j'ai regardé, apparemment, il y a même des trucs où, genre, ça, quand tu tournes le poignet, il y a des boutons, genre pour changer de musique et tout. Déjà, là, il y a un truc dans la boîte que j'avais pas vu, c'est ça, regardez, là, il y a une surépaisseur, et bah, c'est pas pour rien.
toujours plus de surprises. Oh, ah bah c'était le mot d'emploi en fait. Ouh. Oh. Et une petite feuille avec un petit mot. Je voulais te remercier pour cette année ensemble sur Short. C'est un plaisir de découvrir tes vidéos et de te voir grandir ta chaîne. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour 2024. Alors là, franchement, vous êtes pas prêts. Et puis là, thank you, ça, un autre petit message. Des créateurs et des créatrices comme vous partagent leur avis et leur vision artistique sur tous les sujets possibles et imaginables. Blablabla. Et du coup, bah voilà, ils ont fait vraiment une collab avec Beerbrick. Et franchement, bah, c'est ultra classe. Alors, je sais pas si c'est que les youtubeurs qui font des shorts. Bah, chez ceux qui font pas des shorts, quoi. Parce que franchement, waouh, je trouve ça beaucoup plus quali d'avoir un truc comme ça. Alors, après, du coup, là, il y a quoi? Il y a un petit manuel. Safety information, on s'en bat les steaks. Oh, ça, du coup, c'est... Ah ouais, pour avoir le certificat d'authenticité. Donc, tu scannes, il y a gravé Beerbrick là, en dessous. Et après, tu peux choper son certificat d'authenticité sur Internet. Le petit câble pour charger. Alors, à mon avis, il va pas être assez long. Ça va me gaver. Ouais, je vais prendre le mien. On va brancher ce bidule. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On va voir ce qu'il nous met comme son. Allez, viens par là, Beerbrick. Hop. Oh, ça fait une lumière. Ouais. Voyons voir si on arrive à connecter tout ce bordel. Mais y a pas un mode d'emploi? Le dernier truc que j'ai pas vu. Power on, power off. Mais gros, il est où le bouton power on? Ah, dans le cul. C'est vraiment ça, le bouton power. Il a vraiment foutu dans le cul. Ok. Let's go. Voilà, donc là, normalement, je peux le détecter. Calme-toi, j'arrive. Oui, Beerbrick. Vraiment, le nom du truc. Dans les fichiers Bluetooth, c'est marqué Beerbrick Audio X YouTube. Oh, il y a aussi le buste qui tourne. Oh, mais vraiment, les gars, il est articulé de partout, c'est fou. C'est la première fois que moi, je découvre un Beerbrick. Hein, donc, ça se trouve, c'est vraiment articulé comme ça partout. Mais je savais pas. Alors, nous allons mettre une musique qui n'est pas protégée par des droits d'auteur. C'est parti. Oh, franchement. Franchement, le son, il est pas dégueu. Hein. Attends. Je suis trop content. Yeah. Regardez ça aussi, j'ai oublié de le montrer. Donc du coup, quand tu tournes la main, donc là il fait précédent. Là, il revient à la musique d'avant, du coup. Musique suivante. Musique suivante. Et là, c'est quoi? T'augmentes le son! Ouais! On augmente le son! Oh, franchement, le son, alors je pense que là, avec le micro, on n'a pas le bon son, les bonnes basses et tout, mais il est excellent. Merci YouTube. Ouais, parce que ça, les potes, ça, c'est un truc qui a le mérite d'aller ici. Ah, vous connaissez? Vous connaissez cet artiste-là? Ah, il est stylé aussi. Ça fait plaisir qu'il soit dans l'étagère. Les petits pèsent. Bon, ok, je pèse. Here you go. Bref, on va les mettre ailleurs. Le petit tableau de Boogie. Et là, est-ce qu'il rentre? Oh, tout juste. Wow. Regarde-moi ça. Oh la vache. Voilà, légèrement de profil comme ça. Peut-être de l'autre côté. Mais les gars, vous pouvez même pas imaginer comment je suis fier. Merci beaucoup. Merci aux clients fidèles. Parce que en fait, c'est grâce à vous que j'ai ce genre de dinguerie. Merci de me suivre. Merci de faire qu'on ait 970 000 abonnés. Plus 60 000. Merci beaucoup, franchement. Et les gars, on va faire des grosses dingueries cette année en 2024. Go exploser tous ces scores. Souscrivez un abonnement. Mettez la cloche. Passez une bonne soirée aussi également. Hein, voilà. Et ça va être ouf. On va faire plein de concepts les plus incroyables. J'ai de bonnes résolutions pour cette année pour faire beaucoup plus de vidéos longues. De vous proposer un contenu des plus incroyable pour avoir non pas un Beerbrick mais deux Beerbrick pour l'année prochaine. Bisous, ciao.